Konnichiwa minasan et bienvenue dans votre tout premier numéro d'M2L Isekai. Il y a quelques temps, je vous ai fait part d'une nouvelle émission. Eh bien, la voici, la voilà. C'est M2L No Sekai, le monde de mémoire de légende, une émission qui aura pour but de vous faire partager toute ma passion du jeu vidéo, y compris de sa culture nippone. Et pour bien démarrer ce premier numéro, on va aller boire un coup. Le jeu vidéo, à ce que cela puisse paraître, ne se joue pas que chez soi ou chez les potes. Ça se fait de plus en plus souvent dans des bars gaming, mais aujourd'hui je vous emmène dans le 5ème arrondissement de Paris vous présenter l'Extra Life Café, un espace où vous pourrez accéder à sa salle d'arcade ou à sa mangathèque contenant plus de 6000 livres. Approchez, petits et grands, je vous y emmène. Alors pour mieux comprendre le fonctionnement de l'Extra Life Café, je vous présente Ghislain, bonjour, responsable de l'Extra Life Café, parce que son frère qui est au comptoir, Grégory, ils ont monté ensemble l'Extra Life Café. Comment est né ce café au final? Bah écoute, en fait nous on avait une grosse collection de jeux et de mangas et on est parti en voyage au Japon. Au Japon on a découvert ce qu'était le manga café, le manga Kissa. Donc on est revenu en France, on a vu que ça existait déjà et on s'est dit ça a été le déclic. Il nous a dit on ouvre un endroit un peu similaire, un peu identique à ce qu'on avait au Japon. Et comme tu dis, le bar gaming c'est très à la mode. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là et les autres? Je ne le considère pas vraiment comme un bar gaming, parce que le bar gaming pour moi ça implique déjà l'alcool. Et ici je le considère plus comme une salle de casual gaming. On est plus assis, pépère dans des petits fauteuils, machin. Sur les bornes d'arcade, on joue en dignité, on a des crédits limités, on est là plus dans la découverte et la facilité. Bah, je te laisse visiter. Allez, on y va, comme ça. La déco de France à moi, ça rappelle vachement Super Potato, un magasin connu du rétro gaming. Qui a fait la déco? Parce que c'est là vachement sympa. Alors ça c'est moi et mes soeurs. Toute la partie Mario, on s'est mis à quatre pattes, sans mauvais jeu de mots, et puis on était là, alors on a tout fait au crayon, au Posca, la peinture, on a tout fait à la main. Par contre, tout ce qui est en face, la street of rage, on est sorti un jour, on a besoin d'équipe graphique, on a besoin d'un petit graphe, de quelque chose, et voilà. Et ça c'est fait aussi en peinture. En peinture, à la main, comme si t'avais une toile géante et que t'avais tout ce qui est peinture. Donc là du coup on entre du côté arcade. Arcade rétro gaming. Alors il fait assez lourd quand même. Il fait un petit peu chaud chez nous. Ça c'est qu'on n'a pas eu l'autorisation de mettre la clim malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on tourne beaucoup avec des ventilateurs. Mais ça aide un petit peu mais pas suffisamment. Comment ça fonctionne pour jouer? Alors pour jouer, une fois que tu descends les escaliers pour en prendre, nous on fait payer les gens autant qu'ils passent. Pour une heure, on demande 4€ par personne. T'as une heure pour jouer tranquillement aux jeux qui sont là. Enfin, sur la partie rétro gaming, nous on change les jeux à la demande, c'est-à-dire que dans la vitrine de jeux qu'on a, quelqu'un est intéressé par un jeu, on a les clés, on lui change. Et sur toute la partie arcade, tout est en free to play, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre d'argent pour jouer, il n'y a pas besoin de mettre de pièces. On fait déjà payer autant, mais pas la partie. Pour la partie rétro, on a voulu s'inspirer un petit peu d'une chambre, c'est-à-dire qu'on voulait un truc un peu confiné, un peu rétro. On s'est aussi un peu inspiré de tout ce qui est youtubeur, c'est-à-dire que souvent les youtubeurs, quand ils parlent de vieux jeux, ils sont souvent dans une chambre avec des canapés, des petites vitrines avec des petits objets sympas. Donc là, c'était un peu l'idée qu'on voulait mettre pour la partie rétro gaming. Maintenant, tu regardes un peu la partie arcade, en fait, quand tu tournes un petit peu par là. Là, on a voulu plus un côté industriel, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a opté pour tout ce qui est briques, tout ce qui est tuyaux colorés, ce genre de choses. Là, c'était un peu, se rappeler, le côté industriel, bande d'arcade, vieille salle d'arcade des années 80-90. Et quand tu regardes au niveau de la DDR, en fait, là, on s'est inspiré plus ambiance boîte de nuit, c'est musical, c'est sombre. Et donc là, c'était l'idée de faire une ambiance un peu boîte de nuit. Je vois qu'il y a des belles collections. Là, c'est le thème Pokémon. C'est pourquoi? C'est pour le fun, non? Alors, t'avais raison dans ta question. C'est-à-dire qu'on a eu une exposition sur Zelda, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on essaye de promouvoir des jeunes artistes, tout ça. Il y a quelqu'un qui a lancé une campagne Ulule, en fait, pour créer un guidebook sur Zelda. Et suite à ça, donc il est venu faire sa soirée d'ouverture ici, on a fait une thématique Zelda, donc on a eu une mini-expo Zelda. Et là, pour les 20 ans de Pokémon, on a fait une mini-expo Pokémon. Est-ce que vous avez fait appel à Kickstarter ou Ulule pour créer l'Extra Life Café? Nous, non, on y a pensé. On a beaucoup eu peur sur le fait que les gens ne nous suivent pas forcément, parce qu'il y a des campagnes qui se lancent et qui réussissent, et il y a des campagnes qui ne réussissent pas. On a préféré s'abstenir et travailler, redoubler d'efforts pour pouvoir mettre des sous de côté. Et tout faire de manière assez autonome en fait. Il y a une pièce que tu voudrais nous montrer, la pièce manga. Alors est-ce qu'il faut faire pas trop de bruit? Comment ça va se passer? Faire pas trop de bruit, exceptionnellement on va pouvoir discuter un petit peu, mais derrière cette porte on peut fermer ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment la tranquillité et qui ferment cette porte pour être tranquille, parce qu'on a une partie bibliothèque spécialisée manga, et il y a des gens que ça dérange pas forcément. Mais c'est que le jeu vidéo fait un peu de bruit, donc on a la possibilité de fermer cette porte. On va vous montrer ce qui se passe, on va parler peut-être un petit peu moins fort, mais on va vous montrer ce qui se passe.
comme vous avez pu voir tout à l'heure, en fait, on a vraiment voulu jouer sur des décors, sur un peu d'immersion. Alors, ce qui nous faisait un petit peu peur ici, c'est de se retrouver en sous-sol. Et t'as des gens qui sont un peu claustro, qui ont un peu du mal à, voilà, à passer du temps enfermé. Donc, l'idée, c'était vraiment faire des univers pour se retrouver un petit peu ailleurs. Quoi. Donc, c'était vraiment l'idée. Donc, comme on a vu pour le jeu vidéo, on a fait pareil pour la salle manga, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un petit intérieur japonais ici pour avoir des assises un peu plus atypiques. Et pour retrouver le ton notamment. Le manga, comme voilà. Sûr, hein, tout ce qui est jeux vidéo, mais là principalement manga, c'est vrai que on voulait vraiment des touches qui rappellent le Japon. Enfin, petit cerisier. Le cerisier est info, je suppose. Alors. Ce qui est plutôt pas mal. Oui et non. Le titre est vrai, mais les fleurs sont fausses. Donc, donc c'était l'idée de dire, même en étant à l'intérieur, voilà, on a un petit côté qui donne un peu sur l'extérieur et ça permet justement de se sentir un peu moins enfermé. Et ça, c'est vraiment l'idée de ce petit coin. C'est pour faire croire à celui qui n'a pas de moyens qu'il est au Japon mais qui est toujours sur Paris. C'est ça, un peu en cadrant bien, faire une photo. Et voilà, c'est ça. Je suis allé au Japon, j'ai vu les cerisiers en fleurs. Mais ça, c'est un peu aussi l'idée parce que, comme je te disais tout à l'heure, donc suite à notre voyage au Japon, on avait raté la floraison des cerisiers. Quand est-ce que tu es allé au Japon? Ça m'intéresse parce que moi j'y suis jamais encore allé en privé, mais comment c'est là-bas? C'est génial. Alors le Japon, c'est je crois le seul pays qui m'a marqué autant, parce que j'ai voyagé quand même pas mal. Mais je peux te parler du Japon comme si c'était hier, alors que j'ai fait d'autres voyages qui m'ont un peu moins marqué, qui étaient pourtant intéressants. Mais le Japon, moi c'est vraiment. Quand on s'intéresse à cette culture, voilà, c'est vraiment très marquant, tu t'imprègnes vraiment du Japon une fois que tu y vas. Donc, C'est un voyage à faire une fois dans sa vie quand on s'intéresse à cette culture. Et je t'invite vraiment à tout faire pour t'y rendre un jour. C'est cette partie de Metal Slug qu'on va se quitter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous coûte absolument rien. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour un tout prochain numéro d'Emdezel No Sekai. Sayonara Tomodachi.